Une nuit de décembre 1943, les postes d'écoute allemands repéraient un émetteur clandestin. Tigerhandzentrale, befinden uns am Schnittpunkt 235 zu 24 Grad. Sender angepeilt und ausgemacht. Bitte kommen, bitte kommen. Hände. Zentrale an Tiger, geben Sie Befehl direkt an Einsatztrupp. Hände, Hände. Verstanden. Hände. Tiger an Einsatztrupp. Achtung, Einsatz. Achtung, Einsatz. Kommt sofort. Treffpunkt. Ende. Ende. Abfahren. C'est dans un immeuble de la rue Saint-Julien-le-Pauvre que le poste émetteur a été repéré. Concierge ? Où est le compteur ? Là. Montrez. Coupez le compteur. Allumez le compteur. Entrez chez vous. Traverse. J'ai oublié le poste, cache-le dans la lampe. Den Sender müssen wir finden. Das Ding muss verstecken. À qui appartient ce vêtement? À mon mari. Où est-il, votre mari? À Fontainebleau. Non, il est ici, on l'a vu. Viens chercher-le. Ein verflucht nochmal! Sehen Sie auch hinter den Büchern nach! Vorwärts, vorwärts! On émettait ici. Vous avez un poste clandestin, on le sait. On l'a entendu. Où est-il? Oh, vous m'énervez à la fin avec votre poste. Versuchen Sie den Kamin! Da kriechen Sie rein, Krüger, kriechen Sie rein! Da, beeilen Sie sich! Haben Sie es gefunden? Ja, damit! Rausziehen den Rad! Rausziehen! Rausziehen! Où est le poste? J'ai pas de poste, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est antenne, elle vous servait à quoi, là? C'est pas moi qui l'ai mise. Et qui, alors? Est-ce que je sais? L'ancien locataire, peut-être. Habillez-vous, je vous arrête! Laissez la porte ouverte! Thank you.
Ich wusste doch, dass der Kerl hier war. Aber Flucht, den kriegen wir nicht mehr. Les femmes sont souvent plus téméraires que les hommes. Mais dans un lit, après, elles parlent. T'entends? Oui, je l'entends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'aime pas les donjons ni les cavaliers. Moi, je peux bien coucher avec une fille sans lui raconter ma vie. On dit ça. Ça y est, Cora est là. Elle était au rendez-vous à la gare Saint-Lazare et je l'ai amenée. Non, où est-elle? Elle est au salon. Ouais. T'as compris? Au revoir, capitaine. Un bon agent s'intéresse à tout. Oui. Mais il ne se fait pas prendre. Vous avez le poste de votre mari? Oui. Caché dans une lampe torche, j'ai réussi à le sauver. Il l'avait fabriqué lui-même. Oui, je sais, je sais. C'est un homme très habile, merveilleux. Les lampes sont grosses comme des noisettes. Il marche? Oui. Si vous avez un message, je peux le faire couiner. Jean m'a tout appris. Il voulait que je puisse le remplacer. Votre mari avait une mission en cours. Oui, je sais, c'est le don. Comment le savez-vous? Jean me disait tout. Tiens, ça m'étonne de lui. Il me connaissait. Qui peut se vanter de connaître quelqu'un? On se croit discret et un jour on bavarde. Il me faisait confiance. Et si on n'a pas confiance? Jamais. Et on se tait. Voici vos nouveaux papiers d'identité. Merci. Vous ne ferez pas de nouvelles connaissances et vous oublierez les anciennes. Voulez-vous ouvrir votre sac, je vous prie? Pardon, merci. Vous m'avez vieilli? Je n'ai pas 25 ans, j'en ai 23. Qu'est-ce que vous cherchez dans mon sac? Ce qui est inutile et dangereux. Je prendrai ceci à la place. Ceci n'est pas inutile si vous êtes arrêté ou si vous avez peur de parler. Ça se dissout dans la bouche, pas dans la gorge. Ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas le temps de savoir si c'est agréable. Vous pouvez compter sur moi. Un de nos camarades a repris la mission de votre mari. Vous le rencontrerez demain soir au bar Select rue d'Auteuil. Bar Select rue d'Auteuil? Oui, près du métro Auteuil. Du métro Auteuil. Comment vais-je le reconnaître? Lui vous reconnaîtra. À cette heure précise, vous poserez sur la table ce paquet de cigarettes. Il vous demandera où l'avez-vous acheté, vous répondrez à Bruxelles. Comment s'appelle-t-il? Henri. Nom ou prénom? Quelle importance. Bonne chance.
Les cigarettes Laura, tu connais ça, toi, hein? Laura? Ah oui, c'est de la paille. Vous viendrez réveillonner avec nous, monsieur Bernard? Je ne suis pas sûr d'être encore à Paris. Et qui est cette femme? C'est la première fois que je la vois. Du bonnet. J'ai un joli jambon. Ça vous intéresse? Non, merci. Du chocolat espagnol. Puis-je vous demander où vous avez acheté ces cigarettes? À Genève, je suppose. Non, à Bruxelles. Et vous avez apporté à celui qui boite un objet utile? C'est ce qu'il m'a dit. Fabriqué par votre mari? Et sa queen. Ça va, Fred? Ça va, monsieur, oui, merci. Qu'est-ce que vous buvez? Un du bonnet. Vous êtes connu ici? Il n'y vient jamais d'Allemand. Jolie fille, la barmaid. On opérera le 24 à 4 heures. C'est le moment où la surveillance sera plus relâchée. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu feras le guet. C'est tout? J'espère. Si tu me remplaces, ça voudra dire que j'ai eu des ennuis. Tu bois pas? Alors viens, on s'en va. On vous verra pour le réveillon, monsieur Henri. Certainement. Là, il y a la grille et le factionnaire. Le factionnaire? Et on l'élimine. À cette heure-là, il n'y aura personne. À cause de Noël? Oui. Pour arriver au bureau technique, il faut longer le pavillon des ingénieurs, sur la droite. Le perron, quelques marches, la porte et l'escalier. Il n'est pas très long, mais il est très exposé. Le coffre est au premier étage. C'est là que les Allemands gardent leurs secrets industriels. On sait qu'ils travaillent une fusée. Mais où? Ton mari, je l'ai bien connu. Toi, je t'avais jamais vu. Il était prudent. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On sort ensemble? Sortir? Avec tout ce qui s'ensuit? Non. À cause de ton veuvage? Non. T'as rendez-vous? Non. Je te plais pas? Non. Comme tu voudras. Mais je te préviens. Si tu commences cette vie, c'est avec un de nous qu'il faudra que tu t'entendes. Moi ou un autre, si je te déplais. On se retrouve comment? Tout ce qui ne risque pas, sa peau te paraîtra fade. Alors, on se retrouve comment? Le 24 décembre, à 15 heures, gare du Nord, le train pour Seldon. Bonsoir. À quelle heure arrivons-nous? 4 heures moins 20. À 4 heures précises, on apportera le plastique devant l'usine. C'est le gel, il fait moins 7. C'est surtout le wagon qui n'est pas chauffé. Qui est-ce? C'est Pierre. Il vient avec nous? Oui. Il s'occupera de la sentinelle.
C'est nerveux. Je sais. Vous aussi, vous avez peur? Bien sûr. Quand on attend, on a toujours peur. Dans l'action, ça passe. C'est pour ça que j'attaque tout de suite. Aujourd'hui, si j'ai mes mains sur vos genoux, ce serait plutôt pour te calmer. Qu'est-ce que tu fais comme profession? Décoratrice. Débutante. T'es débutante en tout, quoi. Moi, je dessine. Enfin, je dessinais pour la publicité. Ouais. Maintenant, je la craindrais plutôt, la publicité. T'as ton poste? Oui. Fais voir. C'est Marie qui a fabriqué ça, hein? Oui. Après la guerre, si t'es encore là, tu pourras le faire breveter. Et si on te fouille? J'ai une cachette. Vas-y, je regarde pas. C'est pas que l'envie m'en manque, mais c'est par prudence. Ce qu'on n'a pas vu, on peut pas en parler. Merci. Y a de quoi? J'ai minuté le temps. Il me faut 20 secondes pour entrer dans l'usine. 30 secondes pour aller jusqu'au coffre. 2 minutes pour le faire sauter. Et 1 minute pour sortir. Au total, 4 petites minutes. En ajoutant 2 minutes pour les imprévus, tout devrait être terminé pour 4h06. 4h06. Allez-vous? Je vais réveillonner chez des amis. Vous êtes ensemble? Non. Un moment! Par ici, s'il vous plaît. Les dames d'abord, restez là. Transportez-vous quelque chose? Et sur vous? Vous êtes sûr? Oui. Je suis méfiant. Allez-vous-en.
J'aurais pu vous faire mettre nu. Toute nue. Tu es seul? Où est Henri? À la gare, enfoui. Le plastique, tu sais t'en servir.
crois qu'on les a semés. Oui, je crois. Tu as les documents? Oui, tous. Tu as bien travaillé, c'est Pierre qui te le dit. Tiens, bois, ça va te faire du bien. Bois encore. Ça va mieux? Ah oui, ça a marché, mais il faut changer les plaques, on a été repéré. Il est là? Oui, il est là. Va t'asseoir. Henri a été retenu à la gare pour la fouille. C'est elle qui a pris sa place. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans le coffre. Tu peux y aller. Et c'est encore une fois. Für die Schweinerei hier verantwortlich. Hauptmann Weber, zur Zeit des Vorfalls auf Inspektion in Zeldon. Gratuliere. Melde an Oberst, dass ich alle Offiziere und Mannschaften habe zusammenrufen lassen, die Frau gesehen haben. Sie sollen ihr Aussehen für eine Zeichnung beschreiben. Weitermachen. Und der Posten? Tot, Herr Oberst. Beginnen Sie mit der Beschreibung.
Die Gesichtsform? Rund, Herr Hauptmann. Sie hatte ein Tuch um den Kopf. Nein, nein, wie ein Herz. Und eine Locke, die über die Stirn hing. Etwas länger, die Locke. Und Augen hatte sie. Ganz merkwürdige Augen. Wie soll ich sagen? Ich würde sagen Katzenaugen. Stimmt's? Genau, Herr Hauptmann. Katzenaugen. Ja, sie war auch so geschmeidig wie eine Katze. Und der Mund ist sinnlich. Ich meine, sie hat eine stark betonte Unterlippe. Das ist sie. Das ist die Frau, die ich auf dem Bahnhof durchsucht habe. Donnerwetter, ja. Die ist uns entwischt. Das ist ja wunderbar. À quelle heure tu pars pour les Ardennes? 11h. C'est drôle qu'on n'ait pas de nouvelles d'Henri. Bah, tu te fais pas de bile pour lui, hein. Il a dû aller à pied jusqu'à la prochaine gare et il prendra le train pour Paris. Et toi, tu vas où? Au Select. J'espère y rencontrer Henri. Mais avant, je veux passer chez moi. À quoi tu penses? À rien. Dis quand même. Je pense que ça doit être chic de mettre ses souliers dans la cheminée et d'y trouver une belle fille comme toi. Ce soir, j'ai peur de rentrer toute seule chez moi. Je souhaite de ne pas te trouver un peu plus seul demain matin. Attendez, Monsieur Henri, il ne va pas tarder. C'est son heure. Un champagne. Deux champagnes. Ce soir, c'est un très joli soir, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes parisienne? Et vous? Je ne suis pas français. Pas possible. Vous êtes très spirituel. Et vous, très allemand. Non, Suisse, Zurich. J'ai un joli jambon, ça vous intéresse? Faites voir. Chacune la moitié? Oui. Oui, ça va? Ça va. Combien? 4 000. C'est ça, je n'ai pas peur, mais j'aime bien savoir où ça tombe. Monsieur Bernard, si vous voulez venir dans l'abri, c'est dans la cour. Non, merci. Vous attendez quelqu'un? Non. Je ne crois pas que vous soyez seul pour le réveillon. Pourquoi vous aviez l'intention de m'inviter? Je ne connais personne à Paris. J'ai oublié mon sac. Mon sac! Mon sac! Ah, oh, je l'ai. Ah! Georges! Mon mari! Vous êtes une drôle de brute. J'ai bien envie de vous gifler. Ah non. Les gifles, ça se donne tout de suite, sans réfléchir. Maintenant, c'est trop tard. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Que j'ai de la chance. Et que vous n'avez pas les yeux de tout le monde.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Journaliste. Quel journal? Journal de Zurich. Bernhard Moser, c'est moi. Gedanken eines Neutralen. Qu'est-ce que ça veut dire? Propos d'un neutre. Vous permettez? Je suis contente que vous ne soyez pas allemand. Marie? Je l'ai été. Et ce monsieur Henri? Ne me posez pas de questions si vous ne voulez pas que je vous mente. Joyeux Noël! Ah non! Ah non! Décidément, vous y tenez à votre aventure. Pourquoi voulez-vous me quitter comme ça, d'un seul coup? Cherchez pas à comprendre. Il voulait pas me lâcher, je le sentais. Et puis d'un seul coup, il y a eu le feu d'artifice. Les coups de pétoire. Dans la gare, ça a été l'affolement général. Ils m'ont oublié et j'en ai profité pour sauter sur un vélo et me tirer. J'ai fait 20 km à toute pédale. Hein? Ah non. Non, non, je suis dans un petit bled, peinard. Mais impossible de rentrer ce soir. Ouais. Drôle de Noël. Hein? Non. Cora qui m'a remplacé? Oh. Et ça a réussi? Oh, je suis content, capitaine. Vous espériez plus qu'une simple promenade, n'est-ce pas? Non. Mon hôtel est à droite. Soyez gentil, Bernard. Allez voir s'il n'y a pas d'Allemand, j'ai pas d'Osweiss. Mais c'est défendu, si on vous arrête. On me mettra sur la liste des otages. Vous êtes folle, Cora. Allez vite voir. Vous n'êtes pas trop déçu par votre réveillon? Pourquoi déçu? J'ai été heureux. Et je vais quitter la France avec un joli souvenir. Vous partez? Demain soir. Ah, vous partez. Ça vaut peut-être mieux pour nous deux. Vous avez un Osweiss au moins? Moi, c'est tout ce qu'il faut, je suis neutre. L'usine de Seldon, où furent dérobés les documents, dépendait des services du contre-espionnage allemand, l'Abwehr, installé au Vésinet. Darf ich bitten, Herr Hauptmann? Bitte vorangehen zu dürfen. Ich bin nur noch schnell vorbeigekommen, um dir Adieu zu sagen. Hast du deinen Marschbefehl erhalten? Ja, es ist soweit. Ich fahre heute Abend nach Russland. Fronteinsatz. Das Regiment ist schon 2 Tage voraus. Scheint dich nicht sehr zu freuen. Aufrichtig gesagt, nein. Ich würde diesen Krieg ganz gerne überleben. Vielleicht werden wir uns in Russland wiedersehen. Wieso? Kann sein, dass ich auffliege. Es sind Dokumente aus einer Fabrik gestohlen worden, die meiner Aufsicht untersteht. Ach. Wirst du Gelegenheit finden, bei deiner Durchreise zu Hause vorbeizukommen? Ich werde es versuchen. Ich wäre dir dankbar, wenn du meinen Vater grüßen würdest. Tja. Aber bitte kein Wort von dem, was ich dir gesagt habe. Nicht. Ich war gestern Abend mit einer Frau zusammen, die diesem Bild ungeheuer ähnlich sieht. Natürlich in Zivil. Na klar. Was warst du denn diesmal? Schwede? Däne? Schweizer, Journalist. Was
Sag mal, du sagst, sie sieht ihr ähnlich? Ja, merkwürdig. Sie hat genau dieselben Katzenaugen. Augen wie eine Katze? Ja, ich könnte schwören, dass es ist. Wie und wo hast du sie getroffen? In einer Bar, ganz zufällig. Ja, weißt du, wo sie wohnt? Würdest du sie wiederfinden? Vielleicht, ich glaube. Du, die schickt der Himmel. Weißt du, wer diese Frau ist? Sie hat die Dokumente gestohlen, von denen ich erzählt habe, wenn ich die zu fassen kriege. Du fantasierst, das ist ganz unmöglich. Was heißt denn unmöglich? Du hast sie doch wiedererkannt. Man muss doch die kleinste Chance nutzen, die sich bietet. Warte! Aber ich habe keine Zeit. Mein Zug fährt in 3 Stunden. Du wirst nicht fahren. Das ist doch Unsinn. Heinz! Heinz! Ich kann es nicht glauben. Ausgezeichnet, Hauptmann. Ausgezeichnet. Ich werde Sie sofort für uns freistellen lassen und Sie mit einer Aufgabe betreuen, die Ihnen mindestens eine Beförderung einbringen wird. Sie werden sich mit dem Mädchen näher befassen. Und wenn sie diejenige welche ist, werden Sie ihr Vertrauen gewinnen und die Mitglieder der Widerstandsgruppe kennenlernen und... Nun, alles Übrige ist an unserer Sache. Ich bitte Herrn Oberst zu verstehen, dass... Die Frau, die wir suchen, hat äußerst wichtige Geheimdokumente gestohlen. Was ich Ihnen soeben gesagt habe, ist ein Befehl. Hauptmann Weber wird zunächst einen 100-prozentigen Schweizer aus Ihnen machen. Je suis né à Zurich, le 21 juin 1911. Mon père s'appelle Ernest. Et ma mère, Ursula Ritter. Je m'appelle Bernard Moser. Je suis né à Zurich, le 21 juin 19... Et maintenant, Zurich. Bahnhofstraße, Alfred Escher Denkmal. Mm-hmm. Rennweg. Mm-hmm. Limmatquai. À quelle école allais-tu? Ich bin am Kantonalgymnasium gewesen, in der Schönberggasse. Nein, en français. J'étais au Kantonalgymnasium, 7 Schönberggasse. Mes professeurs, Podretzky, Strauss, Jung. Parfait. Voici tes papiers. Bien imité. Ce sont les vrais. On n'a changé que l'indispensable. Bernard Moser existe. Il est correspondant à Paris. Tu l'as choisi. Il y a bien fallu qu'il s'en accommode. Quand la mission sera terminée, nous le sortirons de prison. Avec tes excuses. Vous pouvez monter au 4e, le 37. Merci. Oui, tout de suite. Vous m'avez surprise. Oh, c'est pour moi tout ça? Mais oui. Posez ça là. C'est gentil, c'est vous. C'est comme ça que je me chauffe, à l'alcool. Ils ne redonnent le courant qu'à 6 heures. Ah, ils sont pas marrants, les conquérants. C'est vraiment gentil, c'est vous. Je me suis débrouillée. C'était pas facile. J'ai fait un peu de décoration, comme toutes les femmes. Et vous n'en faites plus? Si, de temps en temps. C'est la guerre et on travaille moins. Non, c'est juste. Et forcément, c'est difficile de vivre. Surtout que vous êtes seule, n'est-ce pas?
Oui. Oh, Bernard, il faut que je vous embrasse. Vous me faites peur à me regarder comme ça. J'aime beaucoup vos yeux. Je vais mettre la table. Mais comment avez-vous trouvé tout ça? Par mon consulat. Les condensés suisses, beurre suisse, chocolat suisse, café suisse. Vive la Suisse! Et si vous me prenez par la gourmandise, je suis perdue. On vous a déjà dit que vous avez des yeux de chat. Laissez-moi mettre la table. Et on mange tout. Tant pis pour mon estomac s'il est rétréci. Si vous saviez depuis combien de temps j'ai pavé tout ça. Évidemment, il y a le marché noir, mais il faut être riche. Vous restez un peu à Paris? Je pense que je vais prolonger mon séjour. À cause de vous. À cause de moi? Je suis très flattée. Et vous ne regrettez personne à Zurich? Ne me répondez pas si je suis trop indiscrète. Personne. Est-ce que vous faites la cour à toutes les filles que vous rencontrez? La barmette du Select, moi? Vous, c'est autre chose. C'est ce que disent tous les hommes. Mais vous, qui êtes-vous? Je suis veuve. Mon mari a été tué par la Gestapo. Il est tombé du 5e étage pour ne pas être arrêté. Je les déteste, les Allemands. Je peux me laver les mains? Oui, là derrière. Vous avez de la chance, c'est une savonnette espagnole. Je l'ai achetée hier. Je crois qu'il serait plus sage de me renvoyer, comme l'autre soir. Qui vous a dit que je voulais être sage? On dirait que je vous fais peur. Ce sont vos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Ils vous plaisent pas? Si, trop. Excellent. On voit tous les détails de la fusée. Les Anglais vont être contents. Mais ils vont être sur le cul. Ah, Pierre est formidable. Il venait d'arriver dans les Ardennes, il y a une fusée qui a foiré dans les bois et s'est débrouillé pour la retrouver avant les Allemands. Faut dire que le bon Dieu l'a aidé. Ben moi, je l'ai pas aidé avec les documents que j'ai pris à Seldon. J'ai jamais dit le contraire. J'aime vous l'entendre dire. Les plaques sont prêtes. Bon. Alors, qu'est-ce que vous décidez au sujet de Bernard? Pour l'instant, rien encore. C'est peu. Je ne le connais pas, ton Suisse, moi. Mais moi, je le connais. Ben, voyons. Je vous ai apporté ces articles dans les journaux de Zurich. C'est une référence, non? Ouais. Passe-moi la loupe binoculaire. Là. Mets la moitié. Et combien de temps que tu couches avec lui? Ça regarde personne. Mais moi, ça me regarde. Parce que j'ai la responsabilité d'une centaine d'hommes. Moi, d'un seul. D'où il est, ton gars? De Zurich, comme son journal. D'où voulez-vous qu'il soit? De Zurich. T'as la lettre, hein? Voilà, tout de suite.
Vous m'avez confié une mission. Je prends les auxiliaires que je veux, ça a toujours été comme ça. Alors, la lettre. Passe le cadre, t'as retourné là. Peut-on savoir ce que vous faites? Dans une circulaire commerciale, à la place d'un point, j'injecte dans la fibre du papier la photo de la fusée. La photo de la fusée? Oui, la photo de la fusée. Et après? Cette photo, je l'ai réduite à la taille d'une tête d'épingle. Les Anglais l'agrandiront, c'est la technique du micro-point. Je croyais que tu n'étais pas une femme comme les autres et je m'aperçois que je m'étais trompé. Mais enfin, quelle référence j'avais quand vous m'avez mis sur le coup de Seldon? Tu étais la femme de Jean Massimier. Fixateur. Votre main tremble, vous n'y arriverez jamais. Parce que tu me fais peur avec ton Suisse, tiens, tu me fais peur. Ça y est. Je peux rallumer? Non, pas encore. Alors, c'est oui ou c'est non? Ni oui ni non, on va voir. Vous savez ce que je vais faire? Tu vas me quitter. Exactement. Je vais aller travailler avec d'autres. Ben, en attendant d'aller travailler avec d'autres, n'oublie pas d'écouter Londres ce soir, ils vont parler de nous. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Grande journée hier pour l'aviation alliée. Les bombardiers lourds de la Royal Air Force, accompagnés de forteresses volantes américaines, ont pilonné par vagues successives le port de Hambourg. Des quartiers entiers ont été rasés. Les bombes ont atteint de nombreuses usines et gravement endommagé les installations portuaires. À 4 heures du matin, cette guerre est une chose odieuse et stupide. Un immense brasier. C'est pas nous qui l'avons commencé? C'est ton mari qui t'a raconté ça. Tu es jaloux? Je ne saurai jamais ce que tu penses. Il y a des moments où ça vaut peut-être mieux. L'indépendance nationale ont réussi un coup de main contre l'usine de Seldon. Grâce à leur héroïsme, des documents d'une importance capitale sont aujourd'hui entre nos mains. Fier, hein? Sans Seldon, on ne serait jamais connus, toi et moi. Ce soir-là, tu ne demandais qu'à te faire suivre. Me faire suivre? Si Henri était arrivé à l'heure, tu couchais avec lui. Qu'est-ce qu'Henri vient faire là-dedans? Aurais-tu couché avec lui, oui ou non? Peut-être. Ce soir-là, je ne pouvais pas rester seule. C'est bien ce que je dis. Écoute, Bernard, si tu m'en veux pour quelque chose, parle franchement. Tu m'as demandé toi-même à être des nôtres. Parler au capitaine et... J'ai changé ta vie. Déjà? Oui. Et je trouve de la folie de ta part de continuer ce jeu dangereux. Mais la guerre n'est pas finie. Laisse-la faire aux autres. Pourquoi t'en mêler? Je ne peux pas lâcher mes camarades sous prétexte que j'aime un homme. Tes camarades, qu'est-ce qu'ils feraient pour toi si tu étais prise? Le maximum. Écoute, Cora. Tu peux choisir d'être une femme et pas un héros. Et si tu voulais m'écouter... Je t'écoute. Tu partirais pour la Suisse. Je t'arrangerai ton départ. Je peux pas les laisser tomber. Oh, les mots. Vous croyez aux mots, vous autres Français? Le général fait un beau discours et vous vous imaginez avoir gagné la guerre. Quoi, nous autres Français? Qu'est-ce que tu as à dire de nous autres Français? Va-t'en si la France te plaît pas! C'est ce que je vais faire.
t'en vas? Ça vaut mieux. On va pas se quitter pour une parole maladroite. Trop tard. Je te demande pardon, Bernard. Ce serait quand même trop tard. C'était donc un prétexte? Si tu veux. Bernard! Tu es fou, Bernard, je te demande pardon. Deine Krise habe ich erwartet. Der Ekel ist unvermeidlich bei den Nichtprofessionals. Aber es dauert ohnehin nicht mehr lange für dich. In dieser Stunde müssen sie Fotos und Zeichnungen in ihre Auftraggeber nach London geschickt haben. Diese wissen nichts damit anzufangen. Sie wollen sie Natura sehen. Sie werden ein Flugzeug schicken, um sie abzuholen. Bei dem Landungsmanöver müssen sie ihre ganze Gruppe einsetzen. Und das ist der Augenblick, wo wir sie packen können. Rechne nicht auf mich. Wie bitte? Ich bin kein Spitzel, ich bin Soldat! Ah! Hauptmann Bernhard Menzel hat sich in eine Französin verliebt. Ja, ich liebe sie. Und ich werde alles tun, dass ihr nichts geschieht. Hörst du, Heinz, alles! Das ist nicht meine Schuld. Ich sollte nach Russland fahren. Ihr habt mich zurückgehalten. Lasst mich aus diesem schmutzigen Geschäft heraus. Schickt mich an die Front. Nicht bevor wir diese Gruppe außer Gefecht gesetzt haben. Ich werde nicht das Geringste dazu tun. Doch. Schon im Interesse von Cora. Wenn das Unternehmen Ardennen mit deiner Hilfe gelingt, können wir dieses Mädchen vergessen. Was heißt das? Du lieferst die anderen aus. Und zwar alle. Und sie ist frei. Was du von mir verlangst, ist einfach dreckig. Du glaubst doch nicht, dass es mir leicht fällt, auf sie zu verzichten. Nach all dem, was sie uns angetan hat. Übrigens, ich kann dich verstehen. Sie hat einen Körper wie eine Frucht. Ich habe sie auf dem Bahnhof Seldon durchsucht. Der Geschmack davon ist jetzt noch in meinen Fingerspitzen. Du kotzt mich an. Ich habe vor dir dieselben Skrupel überwinden müssen. Wenn es dir gelingt, diese Barriere des Mitleids zu durchstoßen, dann wirst du andere Vergnügen finden, raffiniertere. Also überlege es dir. Ich lege das Schicksal der kleinen hübschen Cora in deine Hand. Es war sehr unvorsichtig von dir, in die Abwehr zu kommen. Es könnte dich deinen Kopf kosten. Je croyais que tu reviendrais plus. J'aime que tu m'aimes. C'est ta faute. Avant, j'y pensais jamais. J'ai beaucoup travaillé pendant ton absence. Ça m'empêchait de penser. Je comprends. Mais maintenant, je suis là et je vais travailler avec toi. Non, il faut pas. Et si c'était à recommencer, je sais pas si j'en aurais le courage. C'est drôle. Depuis que je te connais, depuis que je t'aime,
J'ai peur. S'il m'arrivait de me faire prendre, je sais pas si je tiendrais le coup. Abandonne tout ça. Je peux pas. J'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais toi, tu dois pas entrer dans cet engrenage. Tu crois? Oui. Quoi qu'il arrive, je te promets que personne ne te fera du mal. Tu aimes ce disque? Oui. Beaucoup. Alors, les photos prises par Pierre dans les Ardennes n'étaient pas bonnes? Non, les Anglais prétendent ne rien comprendre aux photos. Ils veulent la fusée trouvée par Pierre. Alors ils envoient un avion. Quand? Qu'est-ce que ça peut te faire? Parlons d'autre chose. Marie. Seulement, si tu vas dans les Ardennes, j'y vais avec toi. C'est vrai? Ben voyons. Ils envoient un avion après-demain à minuit. Parlons d'autre chose. Hallo Heinz, hier ist Bernhard. Die Kartenpartie findet übermorgen statt. Ja. Ja, übermorgen. Um Mitternacht. Wir sind in kleinen Gruppen. Bedank dich nicht, du weißt genau, für wen ich's tue. Sie und ich fahren mit der Bahn. À partir de ce soir, je sais que tu m'aimes. Je suis sûre que tu m'aimes. Pourquoi ce soir? Parce que tu es avec moi dans ce wagon. Ça va? Oui, ça va. Olivier, Bernard. Salut. Bonsoir. Pas trop de mal? Non, ça va. Bon, venez par ici. Viens. Ça va? Pas trop de mal? Ça va. Bonsoir, Bernard. Ça va, Pierre. Ça va, merci. Par ici.
Le train n'avait pas de retard, hein? Non, juste 20h15. Bon, on a le temps jusqu'à minuit. Mais c'est pas à minuit, c'est à 22h qu'il doit atterrir l'avion. Et comment, on a changé l'horaire? Oui, par prudence, le capitaine était prévenu par Londres. On ne sait jamais. Venez. Ça va, Bernard? Ça va, ça va. Imagine quel son. Qui? La fusée. Con. Qu'est-ce qu'il a dit? La fusée peut éclater. Quel con. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Pierre ait trouvé la fusée avant les Allemands. Et il ne l'a pas trouvée tout seul, il est tout avec le propriétaire du bois. Et un garçon qui y bracole n'y connaisse le terrain. Ouais. Avouez qu'ils sont culottés, les Anglais. Les photos vont pas et hop, envoyez la fusée. Ben, mets-toi à leur place, ils préfèrent la recevoir comme ça sur la gueule, non? Bon, ça va, allez-y, poussez.
en route, rassemblement à la ferme de Haute-Cœur. Laissons-les aller devant, restant seuls. Maintenant, c'est fini. Il y a quelqu'un derrière nous? Oui, Cora. Ils n'ont pas suivi? Non. Pourquoi? Les amoureux. Tu as entendu quelque chose? Non, c'est rien. Va. Non, je suis pas tranquille. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi êtes-vous resté en arrière? Pourquoi n'avez-vous pas suivi? On a voulu être seul, c'est tout. On a voulu. Qui a voulu? Toi ou lui? Je sais pas. Il faut savoir, c'est important, cherche. C'est lui. Ben voyons. Les Allemands sont pas venus seuls dans la forêt. Bernard Moser était au courant. C'est pas possible. C'est ce que nous allons savoir. Henri est allé le chercher. Où? Au bureau de la presse étrangère. Mais c'est long, il devrait déjà être là. C'était une erreur. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il s'est peut-être fait arrêter. Avant que la Gestapo soit ici, il n'y en a pas pour longtemps. Je viens du bureau de la presse étrangère. Bernard Moser est effectivement correspondant de la Gazette de Zurich. Et puis? Il a 62 ans. Il est petit, gros. Tous ses cheveux sont blancs. Et il a été arrêté par les Allemands. Bon.
Quand le vois-tu? Dans une heure. Où? Chez moi. Un moment. Tu mettras 4 gouttes, c'est immédiat. Je peux vous assurer qu'il ne connaît ni vos noms ni vos adresses. Je ne demande rien, fais ce que tu as à faire. Oui, faites-le monter. J'ai un rhume affreux. C'est pour toi. Ça doit pas être facile de trouver des bonbons. On n'en vend plus dans les boutiques. Je me suis débrouillé. Tu ne veux pas les goûter? Tu vas me passer ton rhume. Tu as raison. Ça y est, ça recommence. Tu veux un grog? Avec de la fine, volontiers. Couche-toi. Je ne peux pas. Je dois voir des gens. Tu es bizarre ce soir. On dirait que tu m'en veux. De quoi? C'est ce que je voudrais savoir. Quelque chose que tu ne me dis pas. Et toi, tu me dis tout? Tu as revu tes amis? Lesquels? Eh bien, Henri, Pierre, Bernadette. Elle est charmante, Bernadette. Je les ai pas revus. Un soir, on pourrait dîner avec Bernadette, non? J'y avais pensé. Elle habite avec son père? Pourquoi me poses-tu cette question? Tu veux la demander en mariage? Pourquoi me parles-tu de Bernadette? Je ne sais pas. Je pensais comme ça. Si tu le trouves trop fort, je peux y rajouter de l'eau. Fort, sûrement pas. Mais très chaud. Et toi? Tu peux le boire? Non. Qu'est-ce que tu as? Rien. Alors, donne-moi la bouteille de cognac. Je vais rafraîchir le mien. Toi aussi? Non, merci. Maintenant, c'est buvable. Non! Tu n'as jamais été suisse. Tu es allemand. Pourquoi m'as-tu empêché de boire? Cora, tout ça était pour te sauver.
Ils savent tout de toi. Je ne veux pas qu'ils t'arrêtent. Il y a un moyen sûr de te faire passer à l'étranger. Tu seras à l'abri. Et si je m'en sors, nous nous retrouverons. Va-t'en. Je me moque que nos deux pays se fassent la guerre. Je veux que tu sois ma femme. Va-t'en. Cora, écoute-moi. Est-ce un crime de nous aimer? Nous sommes nés, toi à gauche, moi à droite, du même fleuve. Est-ce un motif suffisant pour renoncer au bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire? Manque de confiance. Et vous, Cora Massimier, habillez-vous. Heinz, tu m'avais promis de... J'ai dit, si tu me livres à tous les autres, par ta faute, cette femme peut nous échapper. Oh, elle sait tout ce que nous voulons connaître. Elle ne parlera pas. C'est ce que nous verrons. Je t'interdis, je peux plus te dire. En route! Passt auf, dass ich nicht entwischt. Ich sehe dich noch. Wo ist Hauptmann Weber? Ich darf keine Auskunft geben, Herr Hauptmann. Ich bin sicher, dass eine Frau bei ihm ist. Madame Cora Massimier. Ich kenne die Leute nicht, die hierher kommen, Herr Hauptmann. Je fais venir toute la confiserie d'Allemagne. On y trouve encore des sucreries comme avant la guerre. Prenez. Et maintenant, déchaussez-vous. Déchaussez-vous. Et aussi les bas. Vous souvenez-vous d'une certaine scène dans le bureau du chef de garde de Seldon? Oui. Alors, les pas. Levez-vous et marchez. N'ayez pas peur. Ici, nous ne touchons jamais à une femme. Je n'ai pas peur. Je sais que vous allez me fusiller. Il n'en est pas question. Vous vous êtes bravement battu et nous admirons la bravoure. Seulement, votre rôle est fini. Venez ici. Voulez-vous?
Enlevez votre imperméable. Est-ce qu'on vous a fouillé là-haut? Des pieds à la tête. Ah. Des pieds à la tête. Alors, vous n'êtes pas armé? Jamais. Je suis très méfiant. Tournez-vous. C'est juste, vous n'êtes pas armé. Soyez gentil. Faites votre déposition. Je n'ai rien à vous dire. Cet émetteur qu'on a trouvé chez vous... Il appartenait à mon mari. Vous ne vous en êtes jamais servi? Jamais. Qui est le chef du réseau? Quel réseau? De qui recevez-vous des ordres? Je ne recevais pas d'ordres. Soyez gentil. Le capitaine Bernard Menzel nous a tout dit. Alors quel besoin avez-vous de moi? Voyons. Tu es prise. Veux-tu comprendre que tu n'es pas la plus forte, hein? Et vous avez mis toute votre police en branle pour arrêter une seule femme. Le nom du chef? Je ne connais pas. Quel était le travail du réseau? Je n'en sais rien. Marchez! Marche! Ne t'arrête pas! Ça diminue une femme, hein? De marcher pieds nus. Pourquoi vous obstinez? Puisque vous finirez par parler. Vous voyez qu'ici, vous ne touchez jamais aux femmes. Bernard m'a dit que dans le lit, tu es la merveille des merveilles. C'est vrai? Raconte-moi. Dis-moi. C'est moi le plus fort ici. Tu entends? Le plus fort! Viens ici. Écris. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Sans arrêt. J'en veux des pages et des pages. Tu ne t'arrêteras que quand je te le permettrai. Allez! Écris! Je vais parler! Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Ta date et ton lieu de naissance. 1er octobre 1917 à Oyonnax. Ta mère y habite toujours? Vous n'allez pas lui faire d'ennui? Elle n'y est pour rien. Écris, écris. Je vais parler. Je vais parler. Tu t'attends à des choses terribles, n'est-ce pas? Tu as peur. Non. Écris. Écris! Je vais parler! Je vais parler! Je vais parler! Écris! Bitte, Hauptmann Menzel.
Schließen Sie auf, Hauptmann Weber. Jawohl, Herr Oberst. Und wo soll das stattfinden? Hier auf keinen Fall. Mein Wagen steht zu deiner Verfügung. Où pouvez-vous rhabiller? Levez-vous. Relevez votre jupe. Comme ça, vous pouvez marcher, pas courir. Je te répète que Riesling te laissera partir pour l'Espagne. Contre quoi? Contre les noms et les adresses de tous les hommes du réseau. Jamais. Les noms qu'il te demande, je les connais tous. Olivier, Pierre, Roger, le capitaine, Henri, tous. L'appareil photo, un cadeau de Heinz. Pourquoi tu les as pas fait arrêter? Je voulais que tu puisses les échanger contre ta liberté. Ils te forceront à parler. J'ai plus peur. À ton premier cri, je donnerai les photos à Heinz. Je donnerai jamais aucun nom. C'est moi qui les donnerai. Je dirai que je les tiens de toi. Tu n'auras qu'à ne pas me démentir. Oh, Bernard, je t'en supplie si tu m'aimes. C'est parce que je t'aime que je veux te sauver. Oh, j'en peux plus, je suis si fatiguée. Tu le feras pas? Non. Tu me le promets? C'est promis. Je suis si lasse. Nun? Sie kann heute nicht mehr sprechen. Lass ihr Zeit bis morgen. Wie du willst.
Was ist das? Erschießungen, Herr Hauptmann. Ein Kriegsgericht hat 5 Saboteure verurteilt. Das Urteil wird draußen vollstreckt. Absetzen! Führen Sie die Saboteure an die Mauer! Feuer! Gut, ich werde dir alle Namen. Cora Massimier, vous êtes libre. Cora Massimier, vous êtes libre. Vous êtes libre.